Il nous est confirmé aujourd'hui, en 2021, que l'une des plus grandes entreprises européennes, j'ai nommé Total, savait et avait connaissance des conséquences climatiques de ses actions depuis 1971. 1971, 50 ans, ça fait 50 ans que nous savons, que nos entreprises savent et que nous œuvrons à marche forcée et à toute allure vers l'abîme. Nous apprenons aussi aujourd'hui, le même jour, en même temps, que nous allons produire dans les années qui viennent 240% de charbon en trop, 71% de gaz en trop et 57% de pétrole en trop pour respecter les engagements des accords de Paris. Nous aurions pu éviter le drame, mais déni, connivence, fabrique du doute, nous ne l'avons pas fait. Nous nous sommes entêtés sur la route des énergies fossiles. Il est temps de changer de position. Prenons nos responsabilités. Glasgow, cette COP doit sonner le glas des énergies fossiles. Condamnons les entreprises écocidaires et avec le Danemark, le Costa Rica, des milliers de scientifiques, des milliers d'ONG, décidons et lançons un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Il faut en cesser la production tout de suite pour que plus jamais des entreprises comme Total ne puissent nous mener sciemment vers le désastre.